C'est chandelier, quoi. Alors, comme vous le savez, on ne cherche pas à avoir le super chandelier à 2 000 $ dans le salon. Nous, notre fourgon, il est aménagé simplement, juste avec ce dont nous avons besoin. Et justement, on vous fait part de tout ça. Et donc, restez connectés, ça démarre tout de suite. Salut vous, hein? Bon, vous savez quoi? Bientôt le confinement, c'est terminé. Donc on va pouvoir un peu bouger, donc c'est un peu cool. Aujourd'hui, on va essayer de parler de ce qui se passe à l'intérieur du fourgon, comment on vit, comment ça se passe, comment vous le voyez et sur quel angle. Alors vous devez certainement déjà connaître l'histoire de la personne qui a décidé de vivre en fourgon aménagé et qu'on lui sorte à toutes les sauces que, comme quoi il est sale, il ne se lave pas. Tout ça pour le moral, ben forcément ça prend un coup. Mais restons forts. Quoi qu'il en soit, nous savons ce que nous sommes, où nous allons et comment nous y allons. Donc ben, vous avez qu'à découvrir dans cette vidéo notre superbe douche qui est à l'intérieur. Qui n'est pas encore terminé vu que nous souhaitons y ajouter justement une vitre pour pouvoir aussi aérer, mais pour pouvoir avoir un œil et puis un peu de lumière du jour sur du côté de la douche et aussi du lit. Donc vous pourrez découvrir tout ça en nous suivant. Alors vous savez que la nature fait bien les choses. En parlant de nature, pour parler simplement et rapidement, regardez-moi ça. Et vous connaissez mon ami Pantera. Alors, pour vous dire, Monsieur Pantera a une histoire à vous raconter. Ah. Alors, c'est très simple. Les félins, comment ça se passe? Ces deux-là, leur histoire, c'est que pour se laver, ils se lèchent. C'est ce que font la plupart des félins. Si vous ne connaissez pas la vie des félins, demandez-leur leur avis. Alors surtout ne faites pas comme Tiger. Ne soyez pas pressé dans la forêt, parce qu'au final, on prend des choses qu'on n'utilise pas.
Eh ben oui, pourquoi pas. On va pas faire comme tout le monde aussi. On n'est pas tout le monde. Donc on va pas toujours vous montrer des bons spots, des belles plages, des belles choses comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça et ce n'est pas la réalité. Donc aujourd'hui, on va chercher à vous montrer la réalité. Bien sûr, ce serait vraiment trop beau de montrer toujours qu'il y a du soleil, qu'il n'y a pas de pluie, même si la pluie est agréable pour certains qui comprennent la douceur de la nature. Mais c'est pas le cas pour tous. Donc, on vous montre un peu de tout. Tout n'est pas que merveille et bonheur et beauté. Donc, pour qu'il y ait aussi de belles choses, il faut qu'il y ait des choses qui soient moins belles. Et donc, tout ça, on vous l'offre. Aussi simplement que notre vie est, eh bien, cela représente aussi notre manière d'être à travers ce monde. Donc, à vous de partager et de regarder. Alors, tu peux être sûr, à tous les coups, si tu as besoin d'un matos, tu le trouves là-dedans. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Merci, papa.